Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui aux répétitions du défilé du 14 juillet 2022. Qu'est-ce que ça représente déjà à vous ce moment ? Ah ben moi je suis fier d'être sur les Champs-Élysées pour représenter mon pays, la communauté militaire, la communauté des blessés. Vous avez participé aux Invictus Games, donc qui est réservé aux soldats qui ont été blessés. Oui, c'est réservé aux soldats blessés en service, en opération et aux malades en service. Donc c'était un véritable challenge de s'engager dans cette compétition. C'est un challenge, oui, c'est une marche supplémentaire dans la reconstruction qui est longue. Et c'est un engagement. Il faut s'entraîner, il faut essayer d'être au meilleur de sa forme en prenant en compte la pathologie que l'on a après la blessure. Vous étiez dans l'athlétisme, vous ? Alors moi, j'ai fait du tir à l'arc, du rameur en salle, du basket fauteuil et du rugby fauteuil. Ce sont les quatre disciplines dans lesquelles j'étais engagé à La Haye. La dernière édition était justement à La Haye, qui était parrainée par le prince Harry et qui était en présence de l'ambassadeur de France. Tout à fait. Le prince Harry, il est à chaque édition, puisque c'est lui qui est à l'origine de ces Invictus Games. Oui, puis on a eu la chance, effectivement, de notre demi-finale en rugby fauteuil, d'avoir monsieur l'ambassadeur. Oui. Cette compétition permet justement de resserrer les liens avec d'autres blessés. Alors c'est une vraie communion entre la communauté des blessés internationales. Il y a humainement c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a l'engagement sur le terrain de sport, le combat et la fraternité en dehors, oui. Donc c'est un peu une bulle de bienveillance où le handicap s'efface pour laisser la place aux sportifs. 14 athlètes français qui ont été récompensés, je crois, non ? Alors nous sommes partis à 14 et 14 médailles ont été rapportées, dont 8 en or. Et vous alors ? Alors moi je n'ai pas rapporté de médaille, mais moi la médaille c'est d'être déjà allé là-bas, parce qu'à la sortie de la blessure, jamais je n'aurais pensé pouvoir participer à une compétition internationale de haut niveau. Alors on peut dire où c'est que vous avez été touché sur le terrain ? Alors j'ai été blessé juste après le 14 juillet 2016 sur une escorte de matériel sensible. J'étais fauché par un véhicule et j'ai perdu mon genou gauche dans l'accident. Et j'ai un syndrome post-traumatique qui s'est déclenché 6 mois après. La rééducation a été longue et douloureuse, on va dire ? C'est très très long, mais les douleurs, je les ai toujours. Hein. Elles sont permanentes. Les nuits compliquées, je les ai toujours. Mais on fait avec, on s'adapte en fait. On pense différemment et on fait différemment. Vous pratiquez toujours du sport, je pense, hein ? Toujours, toujours. Le sport, c'est l'essence même du soldat. Un soldat, il faut qu'il soit entraîné, qu'il soit en forme. Et donc, c'est tout à fait naturel que le sport participe à la reconstruction une fois que vous avez été blessé. Quelle différence vous voyez avec les Jeux paralympiques ? Modestement, on peut comparer les Invictus Games des Jeux paralympiques militaires. Voilà. Mais il y a beaucoup d'athlètes que l'on retrouve aux Invictus Games qui sont dans les équipes paralympiques nationales. Je vous remercie, bravo. Merci à vous. Bonjour, vous voulez vous présenter ? Rémi Boulet, anciennement caporal-chef dans les commandos parachutistes de l'air et aujourd'hui au bataillon de Joinville en tant que sportif de haut niveau en paracanoë. Qu'est-ce que ça représente d'être sur les Champs-Élysées là pour le 14 ? Pour moi qui a toujours été militaire et donc avec cette fibre militaire encore actuellement, c'est un honneur d'être sur les champs, forcément de représenter les armées et là le sport de haut niveau, c'est plus qu'une fierté, c'est vraiment un honneur. Vous pouvez nous parler de vos médailles un petit peu là ? Ça c'est les médailles que j'ai pu acquérir dans ma carrière d'ancienne vie de militaire, donc que ce soit la médaille militaire, la valeur militaire ou la croix du combattant, et puis après j'ai eu aussi plusieurs médailles avec l'Afghanistan, etc. Donc c'était vraiment, j'ai fait 10 ans de carrière active. Alors vous êtes leader, on va dire, là vous amenez toute une équipe derrière vous, c'est une certaine fierté je pense. Hein.
Oui, forcément, c'est une certaine fierté d'être le premier groupe, mais c'est aussi une responsabilité parce que je dois gérer avec mon camarade aussi en face à Axel, et puis moi, la difficulté supplémentaire, c'est avec le fauteuil roulant et les pavés, il faut pas que je me loupe pour pas tomber, forcément, et donc, mais il faut réussir à bien réguler pour arriver ensemble et que ce soit quand même beau le jour J. Combien de jours de répétition vous avez fait plusieurs fois là? Là aujourd'hui on l'a fait deux fois, hier on l'a fait 3-4 fois de répétition, donc maintenant on commence à être coordonné et puis maintenant forcément il faudra se concentrer encore plus le jour J pour être vraiment au top et vraiment arriver en même temps et que ce soit vraiment propre à voir. Devant le chef de l'État, je pense que vous allez avoir une certaine fierté, hein? Oui, bien sûr, devant le chef de l'État, ça sera certainement une certaine fierté. Maintenant, j'avais représenté aussi les Invictus Games en 2019. J'étais aussi sur la clôture du défilé, donc c'était déjà une grande fierté. Là, c'est pour moi, c'est la deuxième fois maintenant en tant qu'une autre casquette, en tant que sportif de haut niveau de la défense. Et puis après, moi, j'ai une relation particulière avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, étant donné qu'on a passé une journée ensemble complète et puis qu'on s'est vu et qu'on échange régulièrement ensemble. Super privilège, hein ? C'est bien. Oui, clairement, c'est un super privilège. J'ai appris à le connaître et au-delà de la politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, moi, j'ai appris à connaître un homme très humain, en tout cas, qui est vraiment intéressé et à qui ça tient vraiment à cœur les blessés, l'armée. Et donc, ça a été vraiment un match, j'ai envie de dire, entre lui et moi. Et donc, forcément, ça sera encore une fierté d'être devant lui jeudi. Vous appelez régulièrement au téléphone, non ? On échange régulièrement, oui. On échange régulièrement sur des sujets. Là, par exemple, il m'a félicité de ma médaille à la Coupe du Monde il y a quelques mois. Et puis, j'ai inauguré un gymnase sur la base aérienne de Lyon-Montverdin qui porte mon nom, en fait, gymnase Caporal-Chef Rémi Boulet, où il devait venir. Mais comme il y avait sa tombée pendant le G7, il n'a pas pu se rendre présent. Mais oui, on échange un petit peu. Vous allez suivre les prochains grands événements sportifs, les JO, les choses comme ça? Ben, je vais les suivre et je vais surtout essayer d'y participer. Mon objectif principal, c'est d'aller chercher l'or à Paris parce que je sais qu'il y aura justement tous mes frères d'armes militaires avec qui j'ai pu partager des moments en mission ou autre, qui seront présents pour me soutenir, plus la famille. Donc en fait, j'ai une énorme pression, comme je pense tout le monde aujourd'hui. Mais moi, j'ai vraiment à cœur de réussir des beaux jeux. Donc je travaille tous les jours dans l'ombre pour aller chercher la médaille d'or pour la France. Vous entraînez où là? Là, je m'entraîne essentiellement sur Vers-sur-Marne et Temple-sur-Lot. En fait, Temple-sur-Lot, c'est dans Lot-et-Garonne, et donc il y a un gros centre d'entraînement pour en canoë-kayak et aviron. Et donc, c'est vraiment là où on s'entraîne à fond. Là, vous rencontrez d'autres camarades militaires là? Là, oui, il y a d'autres personnes, que ce soit dans mon groupe canoë et kayak. Nous, on a la chance d'être olympique et paralympique en même temps. Donc souvent, on est en stage ensemble. Et il y a d'autres personnes comme Adrien Barthes, Manon Stunt, Sarah Guyot, qui sont aussi de l'armée des champions. Et donc, que j'ai vu rentrer derrière moi, on va dire. Et donc, à qui j'ai pu conseiller pour rentrer. Donc oui, on travaille ensemble sur les stages. Alors eux, c'est olympique, donc ils vont forcément plus vite. Mais en tout cas, on se côtoie vraiment pendant les stages et c'est très intéressant. C'est bien cette association entre le monde sportif et militaire. Enfin, vous êtes impliqué depuis des années là-dedans, hein. Oui, bien sûr, je pense que c'est essentiel aujourd'hui, les résultats sportifs des Jeux de Tokyo. Je ne voudrais pas donner de bêtises, mais je crois que c'est 30% des médailles olympiques et paralympiques. Ça, c'était assez énorme. Et aujourd'hui, l'armée a encore à cœur de recruter, on va dire, des sportifs qui ont peu de moyens pour s'exprimer et pour pouvoir aller chercher la performance à Paris 2024. Donc là, ça matche bien. Et là, je l'ai vu parce qu'au départ, on était 12 personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je crois qu'on est 30 personnes en situation de handicap à l'armée des champions. Donc vraiment ce lien armée-nation est vraiment vraiment fort et là ça monte crescendo pour aller jusqu'en 2024. Vous sentez un peu la casquette de leader dans cette équipe là? Non, la casquette de leader, je pense pas. Je pense que j'ai pas ce rôle de leader. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai ma fibre militaire. Et quand on me demande, que ce soit pour les tenues, pour l'habillement ou autre, forcément, on se tourne un petit peu vers moi pour me demander, comme je connais l'armée un petit peu sur le bout de la ligne, on va dire. Et puis, c'était ma vie, forcément, l'armée. Donc voilà, on se tourne un petit peu vers moi. Mais après, de leader, non, c'est une cohésion d'équipe. Vos camarades parachutistes, là, vous les suivez toujours autant, je pense, non?
Oui, mes camarades parachutistes sur les compétitions, que ce soit Déborah Plat, etc. Je les suis à distance. Et puis moi j'ai à cœur aussi, j'ai repris la soufflerie en tant qu'athlète paralympique. Et là j'ai à cœur de sauter là, au mois de septembre, refaire un saut en parachute. J'ai refait deux sauts en tandem. Et là je serai le premier français paraplégique à sauter en autonomie complète au mois de septembre. Donc voilà, c'est dans la boucle. C'est un très bon challenge et j'ai aussi justement avec le président Emmanuel Macron, on a un accord et pour faire quelque chose à un prochain 14 juillet avec un parachute. Voilà. C'est un scoop ça, hein ? Ouais, c'est un scoop, j'en dis pas plus, mais en tout cas voilà, après les Jeux de Paris 2024, en tout cas on a un deal ensemble et moi je pense qu'on tiendra la parole lui comme moi, donc vous devriez me revoir sur un 14 juillet dans quelques années, juste après je pense 2024. Mais bravo et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, vous voulez vous présenter ? Oui, je m'appelle Margot Pinault, je suis sergent à l'armée de terre, en convention avec l'armée de terre, bataillon de Joinville et CNSD, voilà, je viens de Fontainebleau. Vous êtes surtout une grande championne sportive donc, qui a gagné aux Jeux Olympiques, donc moment important pour vous je pense dans votre vie de sportive. Oui, exactement. Ce sera mon premier défilé jeudi, donc je suis fière de représenter à la fois le sport de haut niveau et à la fois l'armée en un même lieu, quoi. Voilà, il y a des valeurs communes que je peux retrouver à la fois à l'armée et à la fois au judo. Un peu impressionné de défiler devant le chef de l'État, là, le 14 ? Oui, je pense que ça va être un moment assez émouvant. Et c'est vrai qu'on a été briefé. Aujourd'hui, c'est une grosse répétition générale pour tous les militaires. Et forcément, ça va être un moment important. Et j'espère qu'on va tous profiter de ce bel événement. C'est important de mettre en lumière justement le sport. Hein. Enfin, c'est une valeur importante dans les armées. Et ça, vous avez pu le démontrer grâce à votre médaille. Et donc, vos camarades aussi qui seront avec vous, je pense qu'ils partagent les mêmes valeurs. Oui, on est tous des sportifs de haut niveau, que ce soit les Paralympiques valides, les Invictus Games dans le groupe. Et on connaît l'effort, on connaît le goût de l'effort, on connaît le travail, l'abnégation. Et je pense que, comme je l'ai dit auparavant, c'est des valeurs communes au monde militaire et on se retrouve là-dedans aussi. Comment vous répartissez votre temps là, justement entre le sport et puis vos mobilisations, on va dire, actives ? Donc là, je suis censée être en semaine de vacances, donc c'est-à-dire que j'ai pas d'entraînement, on va dire, groupé comme je fais d'habitude à l'INSEP. On est en vacances une semaine, donc ça me permet de venir faire ce défilé toute la semaine. Et voilà, j'arrive à accumuler un peu, on va dire, le double emploi. J'arrive à trouver du temps pour m'entraîner et pour représenter l'armée quand ils me sollicitent. C'est régulier qu'on fait appel à vous sur les événements ? C'est assez régulier, ouais, que ce soit dans les départs d'un général au CNSD, que ce soit en stage aussi, forcément de cohésion bataillon de Joinville, que ce soit pour des manifestations de ce type, ouais, ça, c'est quand même assez régulier. Les militaires nous sollicitent quand même, ouais. En province, vous vous déplacez régulièrement ? Là, on va après le défilé, vendredi, on va à l'école des sous-officiers, à Saint-Maxent-l'École. Les stages de cohésion, je sais que c'est en province, mais voilà. Là, aujourd'hui, c'est à Paris. Alors là, il va arriver des échéances importantes, Paris 2024. Donc ça y est, vous êtes prête, là ? Bon, on est encore en phase de... Voilà, il y a des grosses concurrences dans le judo. On prépare... les compétitions, on verra bien, il faut avant tout se sélectionner pour ensuite partir. En tout cas, ce sera à Paris, donc pour pouvoir combattre à Paris. Alors quand on est une championne comme vous, est-ce qu'on sent un peu une mission de mobiliser, d'intéresser certains militaires qui sont peut-être moins impliqués dans le monde sportif ? Vous sentez un peu cet engagement aussi ? Je pense qu'un militaire reste sportif, quoi. C'est la base aussi de son métier, quoi, de savoir se servir de son corps. Donc non, j'ai pas besoin de mobiliser
de mobiliser les autres, et sachant que aujourd'hui en tout cas je suis entouré de sportifs, donc on connaît tous voilà, comme j'ai dit, le goût de l'effort et le sport de haut niveau. Il y aura un engouement certain pour les Jeux 2024, que ce soit des, on peut parler aussi des bénévoles, voilà, il y aura du monde je pense pour organiser cet événement à Paris. Voilà. Bravo, félicitations. Merci à vous. Bonjour, vous voulez vous présenter ? Bonjour, Maxime Montagioni, j'ai 32 ans, je fais partie de l'armée de champions et j'ai récemment été champion paralympique en banque slalom en snowboard. Félicitations. Là. Donc, justement, qu'est-ce que ça représente pour vous alors d'être présent là, sur les Champs-Élysées pour le défilé ? Bah, pour nous, c'est une belle reconnaissance en tant qu'athlète. C'est vrai qu'on a pour objectif de faire le lien entre l'armée et les nations. Et forcément, c'est le meilleur événement pour pouvoir représenter ce qu'on est et trouver cette appartenance aussi aux armées. Nous, en tant que qu'handisport, on est civil de la défense. Donc c'est vrai qu'on a à cœur aussi de montrer que les valeurs du sport, c'est aussi celles de l'armée. Et c'est quoi de mieux que le 14 juillet à Paris pour vivre une expérience incroyable. C'est une première pour vous, je pense, non ? Oui, complètement, c'est une première. Et c'est vrai qu'en termes de charge émotionnelle, c'est très particulier parce que quelque part, on a envie de bien faire. Il ne faut pas se rater. Donc voilà, c'est hyper important et je pense que ça va rester gravé, oui. Alors là, vous avez passé devant le président de la République aussi, donc ça va être très fort de symbole, non ? Oui, alors... On l'a déjà vu il n'y a pas longtemps au retour des Jeux. Il nous a reçus à l'Elysée dans un moment très, intime, mais en tout cas décontracté. Et là, de manière solennelle, je pense que ce sera complètement différent aussi. Et puis voilà, il va falloir faire bonne impression en tout cas. Donc la compétition, ça continue toujours là. Vous avez d'autres ambitions là, pour les prochains JO là ? Oui, moi je vais re-signer pour 4 ans pour aller jusqu'à Cortina 2026. Donc là on est un peu en été, donc c'est plutôt le temps où on se prépare, où on est un petit peu plus relax aussi. Donc voilà, l'objectif ça va être de se reconcentrer dès la fin de l'été pour repartir sur une saison complète. Et on attend des nouvelles de nos championnats du monde qui auraient dû avoir lieu en février, mais qui peut-être seront décalés un petit peu. Donc voilà, on reste à l'affût et on reste prêt pour bien représenter la France. Alors, parmi vos camarades, beaucoup sont prêts et vous pensez qu'ils vont être dans des bons niveaux, oui ? Oui, l'armée de champions, c'est, comme son nom l'indique, c'est plutôt des champions. Donc il y a un très très bon niveau, que ce soit le futur, on va dire, du sport français ou les plus aguerris qui ont déjà beaucoup de médailles. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on essaye de montrer le meilleur, l'excellence sportive en tout cas. Et voilà, bon, des fois forcément c'est le sport, hein, donc ça ne marche pas forcément à tous les coups. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de faire du sport et on a vraiment, en tout cas nous, à cœur de donner tout ce qu'on a à chaque fois qu'on est sur une compétition et voilà, de représenter les armées, de représenter la nation et pour nous c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que pour les militaires, le sport c'est une des premières valeurs, non ? Complètement, et puis au sens large il y a beaucoup de valeurs de respect, de dépassement de soi, et ça c'est des choses qu'on retrouve et dans le sport et dans les armées, et surtout la volonté de bien faire, de servir son pays, ça c'est aussi quelque chose. Nous on n'est peut-être pas sur le terrain avec des armes en train de risquer nos vies, mais en tout cas on a à cœur de montrer que la France est une nation forte en sport, et du coup on se dépasse aussi et c'est ce qui nous permet de faire des belles performances. Vous entraînez où là ? Alors moi je suis basé à l'EMHM, puisque comme je fais un sport d'hiver, en fait tous les sports d'hiver sont rattachés à l'EMHM de Chamonix, l'école de haute montagne. Et du coup moi physiquement je suis à Nice et je m'entraîne à Isola 2000. Donc voilà, on est détaché, mais voilà, souvent je vais en Haute-Savoie et dès qu'on peut passer à Chamonix, on va leur faire un petit coucou et puis voilà. Vous vous déplacez beaucoup, donc c'est bien, hein ? Oui, on fait beaucoup d'autoroutes. Oui, non, c'est sûr. On a la chance moi en tout cas, j'ai la chance de faire un sport qui me permet de voyager beaucoup, donc c'est super cool. Comment ça organise justement les voyages ? C'est à titre individuel ou vous déplacez en unité là ? Non, là c'est en mode équipe de France où on a tout le team d'athlètes qui permet de se déplacer, enfin en tout cas les athlètes de snowboard, et on se déplace ensemble. Après, par rapport à l'armée, c'est vrai qu'on a des rassemblements ponctuels. Là on a été récemment à la BSPP, donc la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, où on a vécu en fait pendant 7 jours leur quotidien, et c'était assez incroyable d'avoir la chance de partager leur quotidien. Et franchement, on vit beaucoup d'expériences incroyables. Là aujourd'hui le 14 juillet sur les champs, enfin, c'est que du bonheur en fait. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est des bons moments, des moments de cohésion, parce qu'on n'a pas la chance de voir tous les athlètes au même moment ensemble. Là il y en a plein que j'avais jamais vu, donc on se découvre, c'est un beau partage d'expérience et ça nous permet voilà, de sortir grandi de chaque étape qu'on partage.
Mais merci, félicitations. Merci à vous.